Bienvenue en Turquie, on commence notre périple sur le Bosphore à Istanbul. Le Bosphore sépare la ville en deux, avec sur ma gauche la rive asiatique, sur ma droite la rive européenne. C'est là où il y a tous les incontournables d'Istanbul, Sainte-Sophie, le palais de Topkapi, la mosquée bleue. Autant de sites que nous allons visiter, on commence par là. On va rencontrer des Bretons à Istanbul, il y en a beaucoup. Et puis ensuite on ira à Ankara, où on a un rendez-vous avec l'ambassadeur de France, breton, et on terminera par la Cappadoce. Et on commence par ces incontournables. Ils se situent quasiment tous à la pointe de l'estuaire de la Corne d'Or, qui partage en deux la rive européenne. Le cœur d'Istanbul est ici. C'est dans ce port naturel que les colons grecs fondèrent Byzance, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Puis que, 10 siècles après, l'empereur romain chrétien Constantin rebaptisa la ville en son nom, avant la conquête de Constantinople par les Ottomans, encore 10 siècles plus tard, la ville ne prenant officiellement le nom d'Istanbul qu'en 1930. Derniers arrivés, les Ottomans ont laissé les édifices les plus récents d'Istanbul, à l'instar du Grand Bazar, l'un des plus vastes marchés couverts au monde, dans lequel l'on se perd avec délices. Il faut mettre du thé, du sucre, sugar, drink. Et après tu rêves. Tea, sugar et dérive. Voilà. Moyen mémotechnique pour souvenir comment on dit. Merci. Immanquable ottoman, le palais de Topkapi, dont la construction a démarré dès 1453, soit tout juste après la prise de Constantinople par le sultan Mehmed II. Il se compose de jolis pavillons et de cours fleuries qu'il faut traverser avant d'atteindre la terrasse en marbre et son point de vue imprenable sur le Bosphore. La mosquée bleue, un peu plus loin, n'est pas en reste. Construite au XVIIe siècle par le sultan Ahmed Ier, ce petit joyau, connu pour ses céramiques bleues, est l'une des principales attractions touristiques du quartier historique de Sultanahmet. Même si la principale reste bien sûr Sainte-Sophie, de 11 siècles son aînée. L'édifice est un petit condensé de l'histoire de la ville à lui tout seul. Il fut à l'origine une basilique, avant de devenir une mosquée, puis un musée en 1935. Voulu par Constantin, Sainte-Sophie devait être le cœur de la nouvelle Rome, inaugurée en l'an 330. Mais plusieurs fois incendié et reconstruit, le bâtiment ne prit son aspect actuel que sous le règne de Justinien, au VIe siècle. Après Sainte-Sophie, voici un autre établissement au nom pieux, Saint-Benoît, le plus ancien lycée franco-turc de Turquie. Il en existe 6, s'adressant à une élite turque francophone et francophile, prête à débourser 10 000 euros par an de frais de scolarité. Le proviseur, qui est breton, nous en dit plus. Il faut d'abord préciser que l'appellation même de ces lycées, c'est lycée bilingue francophone. Donc les élèves reçoivent un enseignement en langue française. 50% de l'enseignement est en langue française, 50% de l'enseignement est en langue turque. Les disciplines d'enseignement en langue française sont toutes les disciplines rationnelles, cartésiennes, c'est-à-dire les disciplines scientifiques. Les disciplines d'enseignement en langue turque sont plutôt des disciplines d'enseignement politique, dirait-on, du type histoire, philosophie, géographie. L'enseignant qui vient ici doit savoir qu'il est invité, qu'il doit appliquer les programmes qui sont les programmes de l'éducation nationale turque, qui ressemblent beaucoup aux programmes de l'éducation nationale française. Mais un enseignant qui entre dans une classe n'a pas à adopter une attitude politique vis-à-vis d'élèves qui en savent plus que lui sur le pays dans lequel il est en train de vivre. Les Européens ou les Français n'ont pas de leçons de morale à donner, je pense, à n'importe quel pays, que ce soit au monde. Chacun gère sa propre histoire. Il ne faut pas oublier que les premiers rapports entre la France et la Turquie datent de François Ier. François Ier lui-même entretenait des relations très proches avec Soliman le Magnifique. Et on parle très souvent des rapports du lys et de la tulipe. Le lys représentant la royauté française et la tulipe représentant la Turquie. Et puis des rapports très proches aussi au plan personnel,
car cet ancien prof de français a épousé une Turque et vit ici depuis 14 ans maintenant. C'est d'ailleurs à Istanbul qu'il a retrouvé l'une de ses anciennes élèves, Frédéric, mère de deux enfants, installée elle aussi depuis quelques années à Istanbul et épouse d'un Turc. J'avais 17 ans, donc j'étais en première au lycée Jeanne d'Arc à Pontivy. Et notre prof de français était un jeune sortant de la grègue, hein, si je ne me trompe pas, qu'on a tous adoré, voilà, Pierre. Et voilà, et nos chemins sont séparés, bien évidemment, et le monde est tout petit. Et effectivement, je suis arrivée après Pierre en Turquie, 7 ans après. Moi, ça fait 8 ans que je suis ici. Et puis, bah, nos chemins se retrouvent. Je t'ai appelée quand j'ai su que je venais en Turquie en expatriation, et puis voilà. Istanbul est une ville, je crois que c'est toi qui me l'avais dit quand je suis arrivée, qui mange beaucoup. Elle nous mange notre temps. C'est une ville qui est très pas compliquée, mais où il y a beaucoup de trafic. On travaille beaucoup en Turquie, hein. D'abord, les gens travaillent 45 heures, donc quand on a des postes à responsabilité, je peux vous dire qu'on est beaucoup plus que ça. Et je pense que la Turquie ou Istanbul est sans doute un des endroits où il faut être en ce moment, depuis en tout cas plusieurs années, et où il faudra être dans les prochaines années, parce qu'il se passe des choses intenses. Et aujourd'hui, c'est vrai que petit à petit, on se rend compte que c'est comme un virus qui nous gagne et qui fait qu'il faudrait trouver un antidote très fort pour s'éloigner d'Istanbul. Sainte-Sophie, Saint-Benoît, voici à présent Saint-Louis. Une église fondée il y a 4 siècles par des Capucins, à côté du Palais de France. L'ancienne ambassade de France, devenue aujourd'hui siège du consulat de France à Istanbul. J'y suis accueilli par un Rennais, le frère Guénolé. Je suis né donc à 50 mètres de la mairie de Rennes, donc en plein centre, dans des immeubles cossus, mais dans des remises, dans les greniers. J'étais une famille très pauvre et nous avons été 6 enfants. Donc je suis le 3e et nous avons été beaucoup marqués par la guerre, bon, les circonstances guerre et après-guerre. Et à 9 ans, moi je désirais déjà être missionnaire. Et donc je suis parti en 46, j'avais donc 11 ans et demi exactement, pour le petit séminaire en Normandie, petit séminaire franciscain. Et j'ai été ordonné prêtre à Rennes en fin 64. Et je demandais à partir en mission. Et en mai 69, l'archevêque africain d'Abidjan demande un franciscain pour remplacer un prêtre qu'il avait nommé afin de fonder une commission de relations avec les musulmans. Alors j'ai donc remplacé ce prêtre et je continue encore. Car ce prêtre, qui a vécu de nombreuses années en Afrique, est un spécialiste du dialogue interreligieux. Désormais, c'est en Turquie qu'il poursuit son ministère. Il y entretient une relation particulièrement forte avec un groupe de derviches tourneurs. Il y a ici, dans l'ensemble, un islam, oui, qu'on appelle modéré, je dirais un islam tout court, le vrai islam. Et il y a à l'intérieur de cet islam sunnite de Turquie, il y a, comme partout dans l'islam, des courants soufis, dont ce groupe-là de soufis, Mevlevi, qu'on les appelle, les disciples de Rumi Mevlana, qu'ils appellent notre maître Mevlana. Il avait des relations très fortes avec les moines chrétiens. Et pour ça, toute sa spiritualité est une spiritualité ouverte sur les autres. Ce qui est important, c'est de se rencontrer comme des frères. Je dis souvent, moi, quand je parviendrai devant Dieu, il ne me demandera pas combien de dialogues j'ai réussi, mais est-ce que les autres t'ont pris pour leurs frères ? Je quitte frère Guénolé et les derviches pour m'enfoncer plus avant dans cette partie-ci d'Istanbul, Beyoğlu, situé au nord de la Corne d'Or, un quartier où vivent musiciens et artistes, comme ce danseur contemporain quimpérois, Steven, qui nous a donné rendez-vous près de la tour de Galata, une tour construite par les Génois au XIVe siècle, l'emblème du quartier. Bravo ! Bravo, bravo ! Bonjour Steven ! Bonjour Marie ! Ça va ? Très bien, et vous ? Bravo, belle performance. Merci beaucoup.
Ça fait combien de temps que vous faites ça alors ? Mais ça fait 15 ans que je danse, voilà, ça fait 15 ans, une quinzaine d'années. Mais ça fait 6 ans que j'habite à Istanbul. J'ai pris ma formation à Angers en 2005. J'ai commencé assez tard la danse, j'ai commencé à 19 ans la danse. Et j'ai fait cette formation de 2005 à 2007. Ensuite, je suis allé à Paris où j'ai passé mon diplôme d'état de professeur de danse contemporaine. Ensuite, on a déménagé donc à Quimper, on est revenu, on a travaillé à Brest, à Paris, en France. Alors, on sait, vous et votre compagne qui est turque, que vous avez rencontré à Angers. Exactement, Dilek. Et on a deux enfants, donc on a dit, après avoir vécu en France pendant 5 ans, on s'est dit, ben, pourquoi pas Istanbul. Vous travaillez tous les deux, elle travaille aussi dans la danse. On travaille, on est tous les deux danseurs chorégraphes, on a fait notre compagnie de danse en 2008, la compagnie de danse Atmasyon. Et on est professeur de danse à l'université de Bilgi, ici, donc pour les 3e année de Performing Arts, on peut dire ça. Voilà. Est-ce que c'est facile d'être un danseur en Turquie, un artiste ? Est-ce qu'on sent que les choses changent dans un sens ou dans l'autre ? C'est une très bonne question parce qu'il faut faire un peu tout soi-même. C'est-à-dire que les sponsors, c'est à nous de les prendre en charge. Subventions, il ne faut pas y compter. Voilà, le statut d'intermittent, c'est un rêve ici. Voilà, donc c'est pas facile, mais on s'accroche et on est tous les deux, donc c'est pour ça que ça marche. Voilà. Bon, bah bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Vous finissez avec, encore une petite pirouette. Et pourquoi pas. Pour nous faire plaisir, allez, je vous regarde. Ce quartier serait incomplète sans une balade sur l'avenue de l'Indépendance, l'Istiklal, les Champs-Élysées stambouliotes, connues pour ce tramway historique qui relie la tour de Galata à la place Taksim, autre lieu incontournable chargé d'histoire. Alors déjà, place Taksim, c'est considéré comme le cœur du pays, comme on peut considérer comme la place Étoile à Paris, et un point de rencontre, un point de rendez-vous, et surtout la... Le côté célèbre, c'est devenu à partir du 1er mai 1977, où il y a eu une grande manifestation pour la fête des ouvriers. Et il y a eu des événements. Et toujours, les gens, ils ont voulu se retrouver dans la place. Et du coup, concernant les émeutes qui ont eu lieu il y a 2 ans, et nous avons eu une certaine essai de construire un centre commercial, un bâtiment au lieu d'un parc. Et les gens, ils ont donné une réaction. Les premiers jours, c'était comme une réunion. Des jeunes, des universitaires, après, c'est devenu une certaine manifestation avec l'intervention de la police. Et, si vous voulez, et, du coup, c'est devenu un endroit. 2 jours après, il y avait 1 million de personnes sur cette place. Cet épisode de juin 2013 fut l'un des plus difficiles pour le président islamiste Recep Erdogan, au pouvoir depuis 13 ans. Après la place Taksim, je me rends dans un autre quartier contestataire d'Istanbul, Beşiktaş. C'est ici, sur ces collines, que nous rencontrons Dominique dans son agence immobilière. Cette quadra bretonne nous raconte comment elle est arrivée en Turquie il y a 18 ans. Au début, en fait, j'avais décidé de faire des études d'océanographie, donc je m'étais inscrite à l'école, à l'université de Brest. Malheureusement, ne pouvant pas plonger, j'ai décidé d'arrêter ces études. Et j'ai commencé à faire des études, enfin un BTS commerce international. Donc j'ai commencé à faire du japonais. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé un travail. Je travaille dans Japan Travel Bureau à Paris. Et après, j'ai travaillé comme conseiller voyage en comité d'entreprise. Et je suis venue comme ça en Turquie. J'avais vendu un grand groupe. Et j'ai rencontré mon mari en fait en Turquie. Donc c'est pour ça que je me suis installée en Turquie. Ce qui est assez intéressant, c'est que le japonais et le turc sont deux langues ouralo-altaïques. Elles ont les mêmes origines. Donc la construction grammaticale en japonais et en turc se ressemble beaucoup. Touche à tout, cette mère de 2 enfants est aussi la créatrice de la filiale de BİK en Turquie. Aujourd'hui, reconvertie en agent immobilier, c'est une nouvelle aventure qui commence. Ça fait depuis maintenant 2011 que je suis dans l'immobilier. Et en même temps, je m'occupe toujours des sociétés parce que j'aime bien accompagner les sociétés qui veulent créer une filiale en Turquie. Moi, je m'occupe seulement de la recherche de leur bureau, de leur maison parce qu'ils ont des expats qui sont des travailleurs étrangers.
il y a toute nationalité. Je veux dire, j'ai des demandes de partout. Ça vient de Dubaï, d'Allemagne. Et de France. Ils sont quelque 2700 expatriés français à Istanbul, dont une cinquantaine de Bretons. Un chiffre fort faible, somme toute, comparé aux 14 millions d'habitants de la mégapole. Parmi ces Bretons, voici le Lorientais Richard. Ce saxophoniste, ancien facteur d'instruments, vit ici depuis 1997. Marié à une Turque mélomane, il a monté avec elle Collectif Istanbul. C'est un groupe qui existe depuis 10 ans, donc pour nous c'est aussi des liens, si tu veux. C'est des gens, des attaches, c'est des gens avec qui on aime travailler. C'est avec qui on voyage beaucoup. Et c'est pour ça que ça s'appelle Collectif. Notre groupe s'appelle Collectif Istanbul, parce qu'au départ, c'était pas un groupe, c'était un collectif de gens. Et donc, on avait la crème de la crème. Donc, voilà, c'est, grosso modo, tu te fais plaisir, tu fais un album avec la crème de la crème, et ça s'appelle Collectif Istanbul. C'était donc le premier album, Balkan Anatolia, en 2005. Collectif, c'est un groupe qui a joué dans un peu partout. On a joué au Brésil, on a joué au Bénin, on a joué en Irak, en Finlande, au Festival de Jazz de Montreux, en Suisse, en Allemagne, donc beaucoup de festivals, en France aussi, et en Bretagne, bien sûr. Et puis, cet été, on a joué enfin, l'été passé, disons, on a joué aux Fêtes de Cornouailles, voilà, dans les Jardins de l'Évêché, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Baga d'Istanbul, qui est un projet qu'on fait en partenariat avec des Bretons, donc du Magad Pénars. On quitte Richard et Istanbul et on prend la route pour Ankara. Située au cœur de l'Anatolie centrale, la bourgade poussiéreuse est devenue la deuxième ville du pays, avec plus de 6 millions d'habitants depuis qu'elle a accédé au statut de capitale en 1923, grâce à Mustafa Kemal Atatürk. Voici son mausolée, l'Anit Kabir. Le père de la Turquie moderne y repose sous un monumental cénotaphe. Lui qui imposa la République, la laïcité, le droit de vote aux femmes ainsi que l'alphabet latin est vénéré dans toute la Turquie. Bustes, plaques, tableaux, l'effigie d'Atatürk se rencontre partout. Presque autant d'ailleurs qu'un autre objet typiquement turc, un Nazarbonchouk, un œil bleu réputé éloigner le mauvais œil. Cette amulette, on la trouve notamment chez Laurent, un Finistérien qui a adopté la nationalité turque il y a un an. On le rencontre en famille, dans un quartier cossu, à l'extérieur de la capitale. Je suis né en Bretagne, dans le Finistère, et j'ai vécu jusqu'à 30 ans dans la région brestoise. J'y ai fait mes études, j'ai commencé à travailler dans la grande distribution pour une ancienne bretonne, bien évidemment, Leclerc. Et puis, lors de vacances estivales en Turquie, j'ai fait la connaissance de Dyson, qui allait devenir quelques mois plus tard mon épouse. On a vécu pendant 2 ans en France, à Brest, mais l'attachement à sa terre, l'attachement à sa famille et le fait, bien évidemment, de passer d'une ville de 4 millions d'habitants à Brest, 160 000 habitants, a rendu un petit peu la vie un peu compliquée à mon épouse. Donc, d'un commun accord, après 2 ans, on s'est dit, voilà, le chemin inverse doit être fait. Donc, en 97, je suis venu m'installer en Turquie. J'ai arrêté mon travail pour vivre en France. Après, c'était dur pour moi de vivre en France à cause du climat. C'est partout, au début, partout, c'était gris pour moi. C'est le ciel, la mer, les maisons, c'est partout gris. C'est ma chance quand je suis allée 3 mois sans arrêt de la pluie. Je pense que de toute façon, dans un couple, quand on vient de 2 cultures, de 2 nationalités ou de 2 religions différentes, si vous n'avez pas la tolérance par rapport à l'autre personne, vous n'avez aucune chance de succès dans votre couple. Nous sommes différentes religieuses, mais il n'y a pas de problème dans la maison. Heureusement, car ces deux-là vivent toute la journée sous le même toit. Après 20 ans de travail pour Leclerc, Laurent vient de créer sa propre société, Éco-Compteur. Ça fait tout juste un an
que j'ai créé ma propre société en Turquie et que j'ai signé un accord de collaboration avec une PME bretonne installée à Lannion, que j'ai découvert grâce au Télégramme. Et puis, j'ai pris contact avec eux et j'ai découvert qu'ils ont fabriqué des systèmes de comptage pour piétons et vélos en milieu extérieur. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est d'apprendre aux gens l'intérêt de compter. Et pour tous les pays, les nouveaux pays, c'est toujours la même chose. On passe du temps à expliquer, avant de vous pouvoir vendre un produit, c'est d'expliquer pourquoi compter. Et il a déjà des clients intéressés. Sous le sol. Des administrations, des ministères, et pourquoi pas l'ambassade de France. J'y ai mon prochain rendez-vous, avec l'ambassadeur lui-même, Laurent Billy. Ce costarmoricain, actuellement sur le départ, est un fin connaisseur du pays, pour y avoir été en poste à plusieurs reprises. Il nous rappelle les liens pluriséculaires qui unissent les deux pays. La France est présente depuis près de 5 siècles. Donc j'aime à rappeler qu'en Turc, il y a 5000 mots français. Béton, barrière, mais aussi chantage, montage, cassette. Vraiment qui sont prononcés phonétiquement comme en français. Donc c'est assez un des symboles ou des signes de la profondeur de cette relation. Sur les 20 dernières années, la présence a explosé. On avait une quazaine d'entreprises, on a aujourd'hui 485. Alors, ces dernières années, en même temps, on a eu pas mal de tensions bilatérales, notamment autour de la question du génocide arménien. Et donc il y a toujours un effort d'expliquer que finalement nous sommes quand même plutôt des amis. Nos amis turcs font vraiment le maximum pour nous aider à bloquer le flux des djihadistes français qui partent vers la Syrie. Et les autorités turques nous aident vraiment beaucoup. Des liens donc forts entre les deux pays, mais aussi des ressemblances, notamment avec la Bretagne. J'ai trouvé des similitudes avec les gens de la mer Noire, notamment. Donc j'ai fait un stage linguistique de trois semaines, outre qu'ils ont un espèce de biniou dans la musique locale. Je trouvais que c'était des gens qui, spontanément, n'étaient pas toujours très extravertis dans le contact, mais qu'une fois que la porte était ouverte, elle l'était à tout jamais. Je trouve que c'est assez proche de la Bretagne Nord, au minimum. Moi, je suis né en Allemagne. Mon père était militaire. Mais je suis d'une première génération d'expatriés. Donc mes deux parents étaient de Trigavou et de Pleurtuy quand ils étaient à l'âge d'aller au bal. Et comme c'était la distance à peu près maximum qu'on pouvait faire à pied à l'époque pour aller au bal, Trigavou plus Pleurtuy a donné donc un beau mariage. Donc pour moi, la Bretagne, c'était le baguette du Foch, Monseigneur Mazet. J'allais évidemment chez les frères de Plohermel. Ma maman faisait les crêpes pour la kermesse. L'oncle de mon grand-père tenait le moulin Billy, qui est en face de la maison. Donc de la maison, je regarde la rue du moulin Billy. Ça fait toujours plaisir. C'est pas grand-chose, mais ça nous plaît d'avoir des racines. On reprend la route. Direction la Cappadoce. Notre véhicule sillonne le plateau anatolien, longe le gigantesque lac Salé au reflet rose, ainsi que d'anciens caravansérails restaurés, qui nous rappelle que cette route n'était autre que l'ancienne route de la soie. Et de fait, il reste des vers à soie dans cette région grande productrice de tapis, à commencer par les fameux kilim. Le paysage devient plus accidenté. Nous arrivons en Cappadoce, le pays des chevaux de race en persan. La région frappe par son relief lunaire, sculpté par l'érosion, fait de pitons, de souterrains, de cheminées de fées et de caves troglodytiques. Beaucoup abritaient des églises et des monastères du 5e au 12e siècle, aux fresques murales remarquablement conservées. Aujourd'hui, ces habitats rupestres sont d'un usage plus prosaïque, comme ici cette cheminée de fées transformée en gendarmerie. Ou bien là, ces grottes reconverties en hôtel de charme, surplombant l'une des plus belles vallées de la région, la vallée des pigeons. Celui-ci, par exemple, est tenu par un ancien ministre turc du tourisme. J'étais en politique de 1983 à 2002, à peu près 20 ans. Et j'étais le seul francophone du parti qui connaissait bien la France. Et j'avais fait mes études à Bruxelles, où j'avais aussi travaillé. Et donc nous sommes venus au pouvoir fin 83. Les relations turco-françaises étaient
et plus que moins 0, c'était moins 10, moins 20, de telle manière qu'aucun notable français ne participait aux réceptions de l'ambassade de Turquie à Ankara et vice-versa ici, etc. Et en 1984, j'ai été envoyé comme émissaire spécial du gouvernement. Le président Mitterrand a ensuite passé une semaine de Noël en Turquie. Ça a été d'ailleurs la dernière visite officielle d'un président de la République. Depuis lors, à part des passages d'une heure ou deux suite à un congrès international, nous n'avons pas eu la visite officielle d'un président français et non plus d'un premier ministre français comme il faut. Plus de visites officielles et peu de visites touristiques des Français dans cette région, alors même que ce sont eux qui l'ont redécouverte au début du XXe siècle. L'ancien ministre constate l'arrivée d'une nouvelle population de touristes. Il y a une grande arrivée de Brésiliens. Cappadoce est pratiquement le second pays des Japonais. Et chaque année, il y a plus de 300 000 Japonais qui viennent. Comme les Japonais, il y a les Coréens, de plus en plus des Chinois, des Indiens, etc. Évidemment, une autre caractéristique de Cappadoce, ce sont les ballons. Et chaque année, il y a très peu de touristes qui quittent Cappadoce sans avoir vécu l'aventure de ballons. Et c'est notre cas. Certes, l'expérience de 45 minutes en montgolfière n'est pas donnée, 150 euros environ, mais elle vaut le détour. Seule exigence, se lever très tôt, 3 heures du matin, et ne pas avoir le vertige. Mais pour le reste, ce n'est que du bonheur et de la sérénité. Ainsi se termine ce breton d'ailleurs en Turquie, en se quittant en Cappadoce. Et une chose à faire absolument quand on vient ici en Cappadoce, c'est un tour en montgolfière, voir le lever du soleil en montgolfière. C'est un spectacle absolument inratable et fabuleux. Je vous laisse le découvrir et je vous dis goulé goulé.